Faire du feu avec la torche. Donc ouais, ça peut être une bonne chose. Je pense qu'on va chasser le loup un jour ou l'autre. Enfin, dans des jours proches. Come on, little fire. Perfect. Alors, cuir. Trente minutes, très bien. Voilà, 3 heures. Ok. Ok. On va faire ça. Qu'est-ce qu'on fait aussi? 15 et 15 minutes, c'est bien. Deux minutes. 14 minutes. On va faire ça. On va faire ça aussi. Waouh, comment c'est les couleurs quoi. Vache. Qu'est-ce qu'on a eu? Cuisine niveau 2, yeah. Vous voyez que ça sert de faire un peu tout et n'importe quoi. Guérison de la douleur, parce qu'on a passé le temps, c'est bien. Ça. Ah. Du coup, on n'a rien d'autre. Maintenant, on va faire de l'eau. Alors, on pourrait faire le système que j'avais dit là de faire à l'extérieur du feu. J'ai envie de le faire parce qu'on a quand même pas mal de trucs. En fait, j'ai envie de passer les niveaux supérieurs pour ne plus avoir besoin de petits bois. Tout simplement. Okay, getting a bit thirsty. Non, faut aller prendre de l'eau. Parce que le fait de ne pas avoir besoin de petits bois, ça vous change un peu la vie, parce que du coup vous n'avez pas besoin de récupérer du petit bois. C'est-à-dire genre les têtes de massette, les bouquins. Enfin, c'est pas grave non plus, quoi. Je sais pas, je sais pas trop. Sinon on est passé niveau 2 en cuisine, donc les aliments cuits rapportent 10% de calories en plus. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien. On a raccommodage qui est là. J'ai envie de faire ça maintenant, honnêtement. Est-ce qu'on peut coudre dans le noir? Je sais plus si on peut coudre dans le noir. Deux heures, 40 minutes. quatre-vingt-dix, quatre-vingt-trois, quatre-vingt-seize, soixante-seize, quarante-huit. Je dirais qu'on va faire les chaussures. Ah oui, on pourrait nettoyer le fusil aussi.
Ok. Manger et lire, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. On a quoi comme livre, non? Cuisine nature, le feu. Non, c'est la cuisine, pardon. Non, je pense pas que ça vaille le coup. Non, quand on aura attaqué, quand on aura tué le loup, quand on aura tué un loup par exemple. Ah mais de toute façon on est au feu, donc il y a de la lumière, je suis bête. Quand on aura attaqué le loup, donc on aura de la viande, je pense qu'on va... C'est ça que je veux réparer. Réparer, ok, go. Je pense que là on aura quand même déjà tout un loup en entier à manger. Donc ça vaudra le coup. On pourra se... Ce que je veux dire, c'est qu'on pourra se permettre de manger pour lire, par exemple. Je crois qu'on pourra. Ok, 2 heures. C'est bien. Donc ça, c'est bon. Ah, c'est quand même mieux. C'est quand même bien mieux. Et ça, on recycle. Très bien. Très très bien. Décharger, nettoyer, 12 minutes. Durée du nettoyage, 12 minutes. Ça augmente nos... Oui, dans 25 minutes. Ça augmente notre skill de faire ça? Non. C'est juste important de le nettoyer, je pense. Ah oui, la compétence de nettoyage qui augmente. Eau potable. On a une aurore boréale. Alors... On peut pas avoir assez. Du coup, on aura... Ah, du coup, on aura fini... Ouh, il y a un ordinateur. Peut-être qu'on peut lire quelque chose. On aura déjà utilisé tout notre bois. Oh, merde, alors. Nouvelle mémoire tampon ajoutée au journal. Bien que les ours soient nombreux autour du lac mystère, il reste assez rare d'en croiser. On peut s'y attendre à cette période de l'année. Et voici les conclusions tirées des données dont nous disposons. Cool, 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 cool. C'est bien ça. Téléchargement, journal 4 doc, utilisateur par défaut. Ah, intéressant. Alors quand vous avez des aurores boréales, ça veut dire qu'il fait jour. C'est comme s'il faisait jour en fait. Donc vous pouvez coudre, vous pouvez lire, vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous êtes en bâtiment. Donc ça c'est vraiment bien. C'est vraiment cool. Je sais pas quoi faire d'autre. Je sais. Je sais pas trop quoi faire d'autre. Bouillie dans 50 minutes. I'm gonna need to rest soon. Mon potable bouillie dans 50 minutes, 58 minutes. Non, on est bon, on va détruire la torche qu'on a. Encore une heure, on va pas beaucoup dormir du coup.
Boum, boum, voilà, on est large. On est large. On est large. Je peux voir le fusil dans quel état il est maintenant. ?72%. Bien, bien, bien. On va déposer le surplus de médecine qu'on a. Non, attendez, qu'est-ce qu'on a? On a ça, ça, et on a ça. Tisane de bouleau. Tisane naturelle à base d'écorce de bouleau. Buvez-la pour que votre état s'améliore progressivement. Vous voyez que maintenant c'est 110. Avant c'était quoi, 100 ou 110 ou ça... Non, ouais, c'est 100. Avant c'était 100. Ouais, maintenant on a 10% de plus, donc c'est un 110. Donc à chaque fois qu'on cuit quelque chose, maintenant on a 10% de plus. C'est quand même bien. Merde. Allez, premier secours. Voilà. Comme j'ai dit, on en garde une de chaque. Et ça, on le garde. Nos vêtements, c'est bon. Je suis assez content des bottes. Ça, c'est vraiment cool. On a des bonnes bottes quand même. Après, c'est moins 10. Le mieux, ça sera ça. Le mieux, ça sera ça. C'est moins 5. Et bon, c'est 2.5, c'est énorme. Voilà, 50% de résistance à l'eau. Enfin, voilà. Il faut combien de pots de serre? Il en faut 2 et 4 boyaux séchés. Matériel des pêches ou alors couture. Donc ça, on fera ça. Ça, c'est nouveau aussi. Ça n'existait pas avant. Un chapeau en peau de lapin qui tient chaud. 2 degrés. Pas mal, pas mal. Ça nous fera... Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça, je connais pas. Donc on fera ça. Les moufles, ça, je connais. Donc on fera les moufles. Donc ça fait 4. Ah, ça fait beaucoup quand même de peau de lapin. Il va falloir vraiment qu'on chasse le lapin. Hein. Vraiment, vraiment qu'on chasse le lapin. Et après, il y a ça. Aussi, la sacoche de peau d'élan. La sacoche, c'est bien, mais ça va rajouter 5 kilos, si je dis pas de bêtises. Mais il faut attaquer un élan. Il faut attaquer un élan. On verra ça. Peau de cerf, on en a combien? 2. On pourra faire les bottes, déjà. C'est pas pour maintenant. Quoi qu'à la limite... Non, on fera pas les bottes, parce que les bottes, on a des... Parce que je me suis dit, dans le sens, je me dis... attends, on n'aurait pas dû faire ça avec les bottes, en fait. Genre les réparer, tout ça, c'est des ressources cachées. Mais en fait, non. Non, non, on a bien fait. Parce que, du coup, on va économiser, on va essayer de trouver un autre élan. Récupérer la peau pour faire un pantalon. Et ça va beaucoup plus nous aider, en fait, que faire les bottes. Donc, ça c'est bien. I'd hate snow if the hypothermia wouldn't kill me. Ah, c'est nouveau ce qu'elle dit. Là. Jamais entendu dire ça. Je mangerais de la neige si l'hypothermie ne me tuerait pas. Qu'on boive. Voilà, voilà. Je sais pas quoi dire, honnêtement. Parce que... On a fait une belle sortie, on s'est baladé, on a récupéré du bois, on a récupéré des trucs. On a des pots, c'est très très bien. On a fait du dessin, c'est très très bien. J'aime bien dessiner. Là, on va dormir. C'est... Qu'est-ce que j'ai que je vous dise? Moi, ça se passe super bien, hein. Ça se passe super cool, hein. 88%, on va le garder, le reste. C'est pas comme si... Enfin, on est hein, tout va bien, quoi. Ça se passe vraiment bien. Après, on est... Faut le dire, bon, c'est pas facile non plus, mais j'ai l'expérience et on fait attention non plus. Hein, on va pas... Genre, on va pas s'amuser avec les loups. Ou des trucs comme ça, donc... Hein.
c'est normal que ça se passe bien. On va en profiter, on va ranger un peu le temps qu'il y a encore de la lumière. J'adore perdre mon temps à faire ça. J'adore. Puis là, on a fait dans un sens. Quand vous faites du feu avec la loupe, il faut dire que c'est du feu gratuit. Honnêtement, il faut se dire ça. Donc, c'est jamais mauvais d'utiliser la loupe pour faire du feu. Vos objets les plus importants pour faire du feu, ce sont les allumettes. Hein. Donc, si vous pouvez économiser les allumettes, bah évidemment, c'est le top. Hein. C'est vraiment le top. On a encore des massettes, on va les garder de côté. On a ça. Il nous faut du charbon pour dessiner. Prendre du charbon. Tada. On va récupérer 18, très bien. C'est pour ça aussi. Je vais pas le cacher. Je voulais faire du feu pour récupérer du charbon. On a ça, ça on le garde aussi. Pour faire de l'eau si jamais on est à l'extérieur. Le cuir, on peut le ranger. La plume aussi. On va le faire maintenant, tant qu'il y a de la lumière. Comme ça, sinon je vais oublier. Poum. Poum, poum. On n'a pas de métaux. Alors, je pense que quand on sera prêt, ce qu'on peut faire, c'est retourner au... Pourquoi j'ai toujours une odeur sur moi? Pourtant, on a cuit tous les morceaux de viande, on est d'accord? Bizarre. Ah, c'est peut-être parce que je me suis blessé, donc je saigne. Non? Je sais pas. Par contre, j'espère que traitement... Le temps fasse effet. Non, mais on devrait être soigné quand on va passer la nuit. Donc on a ça. Ouais, je voulais dire qu'à un moment ou à un autre, on va peut-être retourner au barrage pour aller couper des choses, en fait. Aller couper des étagères et des trucs comme ça pour récupérer beaucoup de morceaux de métal. Je crois qu'on va faire ça. Parce que le métal, on va pas vraiment le trouver. On sait, on va le garder pour un appât. Le métal, on va pas vraiment le trouver comme ça. Ok, 40. Ah, très bien. Ça, on mange. Ok. 30, 30. 25. Ok, c'est bien. Voilà. Du coup, maintenant, on est plein. Et on a 3 appâts. Enfin, l'heure. On a 1000. J'ai même trop... Bah, du coup, on va faire 10 heures. Comme ça, on sera full vie. C'est parti. Oh, I need to find food. On se lève. Donc, comme prévu... attendez. Avant de parler, on peut pas parler avec la bouche sèche. Donc, voilà. Nous sommes mûrs. Donc, tout s'est bien passé. Nous avons récupéré donc nos blessures, poignets, chevilles, etc., etc. Alors, ça me servira de leçon, parce que c'est vrai que ça, c'est nouveau pour moi. Ça n'était pas comme ça. Ça n'était pas, en fait, aussi dangereux de dévaler des pentes ou alors de les monter. J'avoue que je suis assez surpris de la gravité des blessures qu'on a eues. Ouais, non, on peut dire ça. Honnêtement, je suis assez surpris de la gravité des blessures qu'on a eues. On a été... en quelques minutes, on a eu la cheville et le poignet, quoi. Plus les douleurs, donc du coup, on voyait trouble et tout. Non, honnêtement... Waouh. Honnêtement, waouh. Je suis assez surpris. Je suis assez surpris. Ça, on va le déposer. Parce que je sais pas, je crois que j'en... Non, non, je le transportais pas. Non, j'ai rien dit. Alors. Non, on va le garder, le l'hameçon. Si jamais on arrive à faire
à trouver un fil ou je sais pas quoi. Ça peut toujours servir. Donc on a 3 leurres. Rien qu'à entendre le son, je pense qu'on a une tempête. Je pense qu'on a une belle tempête. Je suis pas sûr qu'on puisse tout simplement sortir en fait. On a de l'eau en réserve. On a combien sur nous? On prend un petit litre en plus. Ça c'est en train de... Ok, ça c'est ça, là c'est bon. Ok, là c'est bon, là c'est bon. Ça c'est plein. Bon, on y va. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ah, quoique non. Ah, il fait froid, pardon. Ouais, il fait froid. Ok. Alors, je veux aller dans... On a beaucoup de vie, donc on va se déplacer. Je veux aller dans la... Les endroits où c'est qu'on n'a pas visité. Déjà, je veux faire ça, de 1. Et de 2, si jamais il y a un loup, par exemple, qui traîne... La carcasse a disparu? La carcasse a disparu, je crois. Au bout d'un moment, les carcasses disparaissent, évidemment, elles sont mangées et tout ça. S'il y a un loup qui est pas loin... Oh, il y en a plein, même. Pourquoi j'ai encore un peu... Wow, la vache. Ok, doucement, doucement, doucement. Pourquoi ils arrivent à me sentir? J'ai dû garder sur moi quelque chose. J'ai dû faire une erreur. J'ai dû garder sur moi quelque chose. Il est où ce con? Il est là, ok. Vas-y, approche. Ah, très bien, très bien. Il m'avait perdu. C'est pas très dur de les perdre, les loups. Hein. Faut juste continuer à avancer. Faut garder toujours une distance, en fait. Il est toujours sur moi? Ouais. Merde. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouh. Oh le bruit que ça fait quoi. Ok go. Je sais on va avoir froid, c'est pas grave. C'est ça que je voulais surtout. C'est so hungry. C'est récupérer une peau en fait. C'est tout simplement c'est ça que je voulais faire. Récupérer une peau, on va pouvoir en récupérer d'autres évidemment. On va prendre la balle, on va prendre une balle. J'aime beaucoup ce qu'on est en train de faire là, ce système de chasser tout ça, de prendre des balles, de remettre des balles. Honnêtement, c'est cool. C'est assez différent, en fait, pour moi. Donc, du coup, je trouve ça sympa. Honnêtement, je trouve ça vraiment sympa. Ok, donc... qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que... Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on peut se réchauffer ou pas? Attendre... On peut pas vraiment se réchauffer. Il nous faudrait combien de... Je crois qu'il en faut minimum 2. Pas du tout, il en faut 4. Il nous faut des boyaux séchés après. Il en faut 4. Oh la vache. Vous avez vu le coup du leurre? Comme ça marche bien? Ça marche vachement bien le coup du leurre. Allez, go. Non, mon dieu, tout se rend père.
Ah, il fait beau. Je sais, là, on est en train de... on est en train de morfler, hein, niveau... niveau vie, là. Là, on est en train de tout perdre, en fait. Honnêtement, on est en train de tout perdre. Toute notre vie qu'on a gardée en... de côté, on est en train de la perdre. Mais du coup, c'est pas grave, dans le sens où c'est que... bah, faut bien que ça serve à quelque chose, la vie, au bout d'un moment. Si on fait rien comme ça, hein, c'est pas... c'est pas... ben voilà, quoi. Par contre, je voudrais bien savoir pourquoi on a toujours une odeur. Pourquoi? Parce que ça, c'est cuit. Ça, c'est cuit. Ça, c'est cuit. On devrait pas en avoir des odeurs, en théorie. À moins que ça ait changé. À moins que ça ait changé. Je vais voir un peu. Mmh. Ouais, non, c'est ça. Ok, au bout du troisième, on a apparemment une odeur. Intéressant. Alors, je sais pas si c'est dû au poids ou alors c'est au nombre. Je pense que c'est au nombre. Bon, ben, je pense que c'est pour éviter d'avoir des appâts à l'infini. Parce que je suis sûr qu'avant, c'était pas comme ça. Je suis quasiment sûr... Ok. Bon bah, on est bon. On est bon, on est bon. Je sais pas vraiment quoi faire. Parce que le problème c'est que bon, on a perdu beaucoup de vie. Elle a froid. Ah. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a récupéré la peau, on a récupéré les boyaux. Ah tiens. Il n'a pas trop de vie, donc on va pas pouvoir vraiment se balader. Il fait presque nuit. On est à 4,59%. Ça va, 59%, ça va. On a eu pire. On a eu pire. Par contre, je voudrais bien savoir pourquoi on a... ah. Attendez. Ok. Ah. Je pense que ça aussi c'est nouveau. On a quoi à faire en haut? Je pense aussi que c'est nouveau. Parce qu'avant j'avais toujours 3 appâts, je crois, dans l'inventaire. Et j'avais jamais de problème d'odeur. Maintenant on a un problème d'odeur. Je pense que peut-être c'est fait exprès pour éviter les gens. Enfin que les gens prennent beaucoup d'appâts. Oh, il y a des rideaux là, j'avais pas vu. Parce que c'est vrai que le coup de l'appât, bon bah ça rend la chose assez simple. Pas simple, mais ça aide beaucoup. Donc d'en avoir plein, on peut peut-être abuser un peu du truc, je sais pas. Bon. À la limite, je dirais, on ressort et on va attaquer un deuxième loup. Je pense qu'on va faire ça. Donc...
Là, il reste quasiment rien. Ok, c'est bien. Ce que je voudrais faire à la limite, c'est récupérer un deuxième loup et prendre la peau. Parce que de toute façon, il va faire nuit et elle est fatiguée. Enfin, elle est pas fatiguée, mais elle est blessée. Donc, autant continuer ce qu'on est en train de faire, parce que là, ça sert à rien de se balader, quoi. Oh, 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 la vache. Recule, recule, j'ai pas vu le loup. Ok, il est là. Ils nous sentent de trop loin. Ok, pas plus de deux appâts. C'est trop chiant, en fait, ce truc d'odeur, là. Oh, lui qui est derrière, il aurait jamais dû me sentir. Il aurait jamais dû me sentir. On est dans la merde. Ok, reste cool. Je l'ai eu, hein. Je l'ai touché. Hein. Ok, cool. Ok, on rentre. J'ai eu peur, hein. J'ai eu vraiment peur là, le coup des deux loups. Parce que vous avez vu, en fait, quand il y a deux loups, ce qui se passe, c'est que leur. Comment dire. Leur. Merde. J'ai plus le mot en tête. La façon dont ils bougent et la façon dont ils attaquent et tout ça, ça change en fait. Vous avez vu, il y en avait un qui avançait vers moi. Et il y avait un deuxième qui attendait, en fait. Et comme ça, il y en a qui peuvent, en fait, commencer à chasser alors que l'autre est en train de me courser. Enfin, voilà, c'est différent. Donc, c'est très, très dangereux. On a une deuxième peau, je suis content. Par contre, on a tellement perdu de vie. J'avais tout fait... On avait tout récupéré. Tout ça pour tout perdre, quoi. Mais bon. Au final, ça s'est bien passé, quoi. Par contre, le deuxième loup... Tiens, on va recharger notre arme. Le deuxième loup va mourir. Hein. Et il faudrait le trouver, honnêtement. Je serais d'avis pour le chasser maintenant. Je sais pas vraiment combien de dégâts ça fait une balle. Non, je dirais que ça fait beaucoup de dégâts, quoi. Donc... je pense qu'il va mourir pas trop trop loin. Est-ce que vous voyez du... Ouais, le truc c'est qu'il n'y a plus de sang, quoi. C'est un peu le problème, la neige a déjà recouvert les traces de sang. Mais on l'a définitivement touché, hein. On lui a mis la balle. Proche de la tête même. Attendez. Là il y en a un. Je crois qu'il nous a senti, lui, il arrive vers nous. Par contre, là-bas, là devant moi, je sais pas ce que c'est. Il a eu peur. Il a eu peur, pourquoi? Ah, intéressant. Non, c'est un caillou. Ah, ça m'embête.
C'est embêtant parce que du coup c'est un peu une balle perdue en fait, vous voyez ce que je veux dire? Je dirais là-bas parce qu'ils ont l'air ou au fond des rails ou sur le côté gauche. Parce qu'ils ont l'air de tous aller vers là-bas en fait, où ils viennent de ces deux endroits. Donc je pense que l'autre quand il s'est enfui il a dû partir et il a dû mourir. Je vois pas de corps. De toute façon c'est la direction qu'il a pris. Hein, donc, C'est complètement la direction qu'il a pris. On a 40%. Ok, trop. C'était peut-être un peu exagéré. Ouh la vache, c'était peut-être un tout petit peu exagéré ce que je viens de faire. On va aller dormir. Je pensais pas que ça allait m'enlever autant de vie. Désolé. C'est pas prévu. C'était pas prévu du tout. La vache, j'ai failli me tuer quoi. Elle est pas trop fatiguée, mais on va faire 10 heures. Elle va pas dormir 10 heures. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Ce qu'il nous faudrait, en fait, c'est une tisane pour nous remettre de la vie. Ce qu'on va faire, on va sortir, on va récupérer le reste de la viande. S'il fait pas trop froid. I'm gonna need to eat soon. Ouais, là c'est gelé par contre la carcasse, donc on est obligé d'utiliser la scie. Alors ce que vous pouvez faire pour vous fatiguer dans un sens, c'est sprinter, genre faire le tour de la maison et sprinter. Mais bon, bah, c'est pas vraiment intéressant de faire ça quoi. Alors, je suis en train de réfléchir en fait à quoi faire. So hungry. Est-ce qu'on peut pas lire parce qu'il fait pas assez jour. Donc elle va pas vouloir dormir non plus parce qu'elle est pas assez fatiguée. On a rien à faire. On a strictement rien à faire. On peut pas lire à cause de la lumière. On peut laisser la lampe après, on peut utiliser la lampe, mais ça serait un peu con quoi. Ah oui, les boyaux, je n'ai pas descendu. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre là pour le moment. On va fabriquer ça. Comme ça, on en aura quelques-uns. De réserve, très bien. Coudre.
Mais non, 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 le noir, ça marche pas. Merde! Oh, je sais pas quoi faire! Oh putain, on va devoir attendre! C'est tellement de la. Du temps perdu, quoi. Désolé, je. Non. Là, là j'ai un trou. Là, je vois pas quoi faire. On a vraiment rien à faire. On peut pas faire de feu. On peut pas coudre. Enfin, raccommoder. On peut pas. Elle est pas assez fatiguée. Va voir. Bon, elle est en pleine forme. Évidemment. Bon, bah allons nous balader. On a. Ah oui, il nous faudrait une bouteille d'eau en plus. Excusez-moi, je me balade dans le noir, hein, mais. Voilà, on a. Ah, 2 litres, c'est bon. Allez, c'est parti. On va garder le morceau de viande qu'on a sur nous. On va garder le morceau de viande qu'on a sur nous. Pour manger, pour éviter de perdre trop de vie en fait. Parce que là, on est vraiment un peu dans la merde. Je devrais même le manger maintenant, à la limite. Et on se balade. Ah, il n'y a pas le coup de la descente. Non, 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 non. On va se remettre sur le sol parce que sinon, on va encore mal finir cette histoire. Alors j'ai envie d'aller voir là-bas. Je pense qu'on va aller dans la forêt. Le problème c'est que on a l'odeur là. Donc les loups peuvent commencer à venir vers nous très loin, de très loin en fait. C'est quoi? C'est des lapins. Il y a un cerf, j'ai l'impression. Quoi qu'on en a besoin des lapins. On va prendre les lapins, allez. On va faire la chasse aux lapins. Merde! On fait la chasse aux lapins pour récupérer les peaux, on en a besoin. Pour faire des moufles et des trucs comme ça. Ouais, très bien. Tourner la tête. Là-bas il y en a un. Il y en avait un derrière aussi. Il a disparu. Right, I can't feel my feet. J'ai toujours dans la tête le loup hein, qu'on a perdu de vue. Hein. Ça m'embête. Oh merde. Non! Oh mon dieu. Il a balancé plein de pierres, dégueulasse. Oh, il saigne et tout. J'aime pas faire ça.
Waouh. 3 serres. Ok. On va rentrer. On va rentrer à la froid en plus. On va juste prendre le fusil au cas où s'il y a un... s'il y a un toutou. Can you eat trees? Non. Je me demande s'il y a un malus de courir avec le fusil en main. J'ai pas l'impression. Très bien. Tada. Ok. Donc on va perdre notre temps à faire ça en fait. Je pense, on va perdre notre temps à faire ça. On va patienter quoi. On va d'abord faire ça. Comme ça on les pose par terre directement. Voilà, très bien, très très bien. Donc si vous avez des lapins hein, près de chez vous. Pas en vrai, hein, allez pas chasser des lapins pour du vrai. Hein. Bon, faites pas ça. Achetez-le en grande surface. Si vous avez des lapins près de chez vous, du coup, faites. Ça vaut vraiment le coup en fait de les attraper. Et parce que ça va vous monter votre dépeçage et tout ça. Donc c'est super simple. Vous n'avez pas vraiment besoin d'armes, vous avez juste besoin de pierres quoi. Ah bah voilà, carcasse niveau 2. Alors avant, je me rappelle, bon ça fait maintenant un moment, hein. Avant c'était beaucoup plus dur de récupérer des lapins parce qu'il fallait ou alors les tirer les flèches dessus quoi, donc il fallait un arc, ou alors il fallait utiliser, je sais même pas si on peut le faire encore, j'ai pas l'impression, je crois qu'ils l'ont enlevé, c'était un appât en fait à lapin, pas un appât, un, comment on appelle ça, un collet, je crois que c'est ça. Ouais, ils l'ont complètement enlevé, ça. Non, on peut plus les faire. Ouais. C'est... Moi, j'aimais bien... Moi, je les avais utilisés, hein, je pense. Si vous regardez la saison 2, un truc comme ça, de la survie du week-end, je suis sûr que je les avais utilisés, moi, avant. C'était la grande autoroute, là. Il y avait une île avec des lapins. Et je les mettais là, en fait, les collais. Et de temps en temps, je revenais pour récupérer. Bon, c'est vrai que c'était pas... Hein, c'était, ça prenait du temps, hein, mais... bah, c'était pas aussi instantané, parce que là, c'est instantané. Hein, vous balancez une pierre sur le lapin, vous récupérez le lapin, c'est bon. Alors bon. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux autrement? J'en sais rien. Hein, je veux pas trop, je peux pas trop parler pour ça, mais... C'est différent, quoi. On a les moufles. Non, on va pas faire les moufles. On avait dit qu'on faisait ça. La chapka. En peau de lapin en premier, parce que les moufles, on a des gants qui sont assez bien, on a ça, donc c'est pas mal. Par contre, en bonnet, on pourrait le mettre à la place de ça, je crois. On pourrait avoir le bonnet et la chapka par-dessus, donc je crois qu'on va faire la chapka en premier. Deux. Même si les moufles sont beaucoup mieux, enfin deux, c'est quoi, hein, c'est combien ça? C'est un. Ouais, on fera là quand même la chapka en premier. La première fois que j'en fais une, de toute façon, parce que ça n'existait pas, moi. Quand je jouais.